nous allons construire 30 logements au quartier Lihima. Et nous allons renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité dans la localité. Pour lutter efficacement contre le grand banditisme qui prend de l'ampleur, mais accepter que l'on se dise les vérités. Nous sommes la même génération. Ces bandits, c'est qui? Est-ce que ce n'est pas vous-même qui êtes là dans les rangs? Et demain, quand les policiers vont vous arrêter, les mêmes que je connais, vont vous manipuler pour être dans la rue, pour demander la libération, que c'est un enfant de Mwanda. Comme je l'ai vu dans les vidéos, ça ne saurait se répéter. Celui qui prend de l'argent pour aller braquer, ou celui qui est un politicien donne de l'argent pour aller casser, pour se mettre dans la rue, il va assumer son acte